Bonjour. On a déjà commencé cette série de composantes alimentaires et on a donné une introduction un peu longue pour vous parler, disons, des différentes composantes alimentaires, des groupes alimentaires, et on a rangé ça en groupe parce que les aliments qui se ressemblent, qui ont un peu plus ou moins les mêmes caractéristiques ou les mêmes composés forts, là, on les a classés dans le même groupe. Et on commence par le premier groupe, on commence par le commencement qui sont les céréales. Donc les céréales, c'est la base de la nutrition humaine, ce n'est pas les viandes. Et les céréales, vous savez bien que c'est une teneur modérée en protéines. Donc c'est variable entre l'orge, le maïs et le blé. Hein, et ça va de 10 jusqu'à 12. Il y avait même des variétés de blé dans les pays du Maghreb. Il y avait des variétés de blé qui allaient jusqu'à 16% de protéines et même 17%. Malheureusement, c'est des espèces autochtones qui ont disparu actuellement. On tourne avec quelques 3 ou 4 variétés qui sont des variétés transgéniques, malheureusement. Et puis, cette composition donc, en protéines, il a beaucoup chuté. La quantité de 10 à 12% de protéines donc, est suffisante pour le corps. Donc, pour ne pas trop... pour ne pas faire peur donc, aux gens et trop parler donc, de nutrition, l'homme a vécu avec les graines, il a vécu avec les céréales, donc des siècles et des siècles. Ce n'est pas maintenant qu'on a commencé à dire aux gens que sans viande on ne peut pas vivre. Ça, c'est la plus grande mensonge scientifique donc, du siècle dernier. C'est que lorsqu'on a dit qu'on ne peut pas vivre sans viande, alors que c'est faux, avec les céréales on peut vivre largement. Et quand on veut engraisser un taureau ou un animal, quand on veut l'engraisser, d'ailleurs, on donne les céréales, on donne le maïs. Et quand, paradoxalement, on est en train de parler que les céréales sont insuffisantes. Il n'y a pas de lysine, il n'y a pas d'acide aminé, il n'y a pas de protéines. Enfin, il n'y a pas de protéines. Et puis le taureau qui fait une tonne et demie, on lui donne du maïs. Ouais, il y a des choses donc, qui doivent être corrigées. Il faut arrêter quand même à parler n'importe quoi et à dire n'importe quoi parce que c'est un domaine qui a ses spécialistes et qui a ses chercheurs. Donc, là. Les céréales, ils ont en commun l'amidon, ils ont en commun le sang, c'est-à-dire les enveloppes. Ils ont en commun un minéral très important qui est le chrome, et en anglais c'est chromium. Et ce chrome est appelé facteur GTF, c'est le glucose tolerance factor en anglais. Et actuellement, c'est donné comme, disons, des nano-éléments ou des produits pharmaceutiques, surtout pour les sportifs, hein, qui développent donc, la construction du corps, qui développent donc, la musculature du corps. Et on est en train de dire aussi des choses, que ce chromium, et je ne sais pas quoi, il fait des miracles, il ne fait pas de miracles. Le chrome existe dans les céréales et le chrome existe engagé dans d'autres structures chimiques dans les céréales. Quand on le prend tout seul... Il ne fait pas l'effet qu'il doit faire d'ailleurs lorsqu'il est pris avec d'autres minéraux et avec des vitamines, bien sûr, et lorsqu'il est pris dans sa structure naturelle, chimique naturelle. Donc, ils sont caractérisés par le chrome. Il y a d'autres minéraux, bien sûr. Il y a le manganèse, il y a le magnésium, calcium, fer. Il y a même le zinc. Ils ont une bonne teneur en zinc, les céréales. Mais on parle chrome parce que le chrome n'existe pas beaucoup dans la nature, mais existe comme source principale, donc c'est dans les céréales, ils sont caractérisés par ce métal. Donc nous avons une teneur de protéines de 10 à 12% qui est une teneur, disons, très suffisante pour la nutrition humaine, pour ne pas faire l'obésité. Il y a des gens qui continuent à dire que non, il y a moins de lysine, d'acide aminé lysine dans les céréales parce que la lysine c'est une caractéristique des animaux, etc. Mais il n'y a pas de protéines dans la nature sans lysine. Quand on parle quelque chose, donc, il y a des chimistes, il y a des labos, et les structures quaternaires des protéines, l'engagement des acides aminés, il y a des protéines qui sont riches en phénylalanine, d'autres qui sont riches en acides aminés soufrés, comme le jaune d'œuf ou comme les légumineuses. Il y a des protéines qui sont riches en lysine, d'ailleurs les viandes, mais ça ne veut pas dire que les céréales ne contiennent pas de lysine. Ça, c'est faux. Et il faut quand même arrêter de dire ça. Et tous les acides aminés existent dans les céréales. Bien sûr, à des teneurs différentes. Bon, il y a moins de lysine que les viandes, mais il y en a. Et puis, on a les enveloppes qui contiennent donc, ces phytoestrogènes et ces fibres. Malheureusement, il y a l'acide phytique, il y a les phytates, hein, c'est l'IP6, c'est l'inositol hexaphosphate. Et c'est l'acide phytique qui chélate les minéraux, donc qui prend le fer, le calcium et le magnésium. Et c'est cette chélatation qui fait que le fer des céréales n'est pas absorbable. Ça vient de là. Il fallait dire ça précisément aux gens. Il fallait bien expliquer ça aux gens. Là, on a tout de suite dit que non, les minéraux des céréales, ça, ils s'absorbent. Ils s'absorbent très bien lorsqu'on hydrolyse l'acide phytique par la levure acide, par le ferment naturel, par le ferment que l'homme a utilisé. Si on utilise la levure boulangère n'a pas de phytase. Et le pain qu'on fabrique avec la panification directe, c'est-à-dire...
avec la levure boulangère, c'est un pain où l'acide phytique n'est pas hydrolysé, où les minéraux sont chélatés et on n'absorbe rien. Si on enlève le sang de blé et on a la farine blanche, on a enlevé 70% des minéraux. Je ne sais pas pourquoi les gens ils parlent que le fer n'est pas absorbé, il n'y est pas. Lorsqu'on enlève le sang de blé, on enlève le fer, on enlève les minéraux. Donc on jette les minéraux, enfin on donne le sang aux animaux et ils se nourrissent mieux que nous. Et puis nous, on prend l'amidon et puis les quelques protéines donc, qui restent dans cette farine blanche, il n'y a rien. Et quand on enlève le sang de blé ou l'enveloppe du riz, ou même, disons, actuellement on est en train aussi d'enlever le sang donc, de l'avoine, on élimine 70% des minéraux et quelques 70%, on peut même éliminer plus. Ça dépend d'ailleurs de la façon dont on enlève, ça dépend de la technologie qui permet d'enlever donc, ces enveloppes. D'autant plus actuellement avec les méthodes d'écrasement nouvelles dans les minoteries, avec les sasseurs et les planchisters et avec le taux de release, le taux de récupération maximale. Actuellement, on élimine pratiquement plus de 80% avec la technologie moderne, plus que 80% des minéraux, des fibres et des vitamines. Il n'y a rien. Et c'est là il faut quand même parler précision. Donc, il faut faire du pain complet. Il ne faut pas enlever le sang de blé et on a les minéraux. On a le fer, on a le magnésium, on a le calcium, on a tous les minéraux, même le phosphore. On a le zinc, on a le chrome. Si on enlève le sang, on sépare le sang donc, de la farine, là, on élimine déjà l'autre. Et puis, ces minéraux-là, quand on fait la panification, la pétrification avec la levure boulangère, là, la levure boulangère n'a pas de phytase et finalement, l'acide phytique n'est pas hydrolysé, on n'a pas un pain, on mange ce qu'on mange. C'est un produit qui s'appelle pain. Le pain, c'était avant lorsqu'on utilisait donc, les ferments acides, les ferments naturels, qui étaient composés de levures et de bactéries lactiques, notamment les lactobacillus et les pédiococques, qui ont une phytase très active hein, lorsqu'on fermente avec les bactéries lactiques. Donc l'IP6, l'inositol hexaphosphate est hydrolysé. Hein, quand on clive, quand on casse une seule liaison, ce n'est pas la peine de casser les 6 liaisons, quand on casse une seule liaison, on libère, on lâche les minéraux. Bon, c'est un travail que nous avons fait en 2 thèses de doctorat hein, avec les mémorisants. Et nous avons trouvé qu'il suffit de casser une seule liaison et on libère les minéraux. D'ailleurs, c'est des travaux qui ont été faits sur la souris blanche, hein, sur les animaux de laboratoire. Et on a trouvé que l'absorption augmente et puis on peut régler l'anémie rien qu'en utilisant les ferments traditionnels, les ferments acides, pour libérer les minéraux parce qu'il y en a. Et ils sont là, ils existent en teneur suffisante. Donc ce GTF actuellement, facteur GTF, chrome, hein, on est en train actuellement de trop parler de chrome. Chrome, il existe dans les céréales et le chrome des céréales est mieux que le chrome vendu sous forme de complément alimentaire. Pourquoi ? Parce que le chrome est engagé avec d'autres minéraux et est engagé avec d'autres structures. C'est un dinicotinique, hein, c'est un dinicotinique acide. Et ce dinicotinique acide facteur, d'ailleurs, il existe dans les céréales, il n'est pas le chrome vendu. Et il y a une grande différence entre l'acide phytique qui existe dans les végétaux et l'acide phytique vendu chimiquement. Et il y a une grande différence dans les tétrafolates entre le ptéryl et le ptériol. C'est le ptériol actuellement qu'on vend, c'est pas les tétrafolates, c'est pas la folacine. Et il faut bien comprendre les choses et il faut préciser les choses. Et quand on parle d'une chose, il faut parler scientifiquement, on ne peut pas parler pour ne pas induire les gens en erreur. Donc les céréales, ils ont en commun ce chrome, une teneur en protéines 10%, ils ont en commun le sang, c'est-à-dire les enveloppes qui contiennent aussi les phytoestrogènes. Malheureusement, il y a l'acide phytique, mais l'acide phytique est hydrolysé par les bactéries lactiques. Les gens qui n'arrivent pas à faire ce ferment acide, ils n'ont qu'à mélanger un lait fermenté, comme les pays du Maghreb, ils utilisent le leben fermenté naturellement, ce n'est pas le leben industriel du lait pasteurisé. C'est le leben du lait cru, abandonné à lui-même. On obtient un produit qui s'appelle leben. Et ce leben était mélangé avec la semoule de l'orge, la semoule du maïs ou du blé. Et les bactéries lactiques du leben hydrolysent l'acide phytique. Et on a le meilleur rendement, c'est-à-dire on a, une bonne composition minérale lorsqu'on mélange un lait fermenté avec les céréales. C'est idéal pour les enfants. C'est un produit qu'on a encore au Maroc, qu'on a encore. Il existe aussi dans les pays du Maghreb. On a ce produit qui s'appelle Sekok, et je ne sais pas cette appellation entre guillemets, il n'est pas de l'arabe, ce n'est pas de l'arabe, mais c'est peut-être de la mazir, et on l'appelle Sekok. Et là, les Marocains, ils consomment trop, hein, c'était trop consommé, c'était un aliment abondant et régulier, hein, tout le monde mettait du leben avec la semoule de l'orge ou la semoule du maïs, même la semoule du blé. Là, et c'est un repas, là, on ajoute l'acide, les bactéries lactiques avec les céréales, on hydrolyse l'acide phytique, on libère les minéraux. Et voilà, donc l'homme, il savait vivre sans laboratoire, sans rien. L'homme savait bien vivre, il était plus intelligent même que maintenant. Les céréales, ils ont
Disons, certaines céréales, comme l'orge par exemple, il y a plus de phénylalanine dans l'orge qu'il y en a dans le blé. Donc les enfants qui ont des problèmes de phénylalanine, il ne faut pas qu'ils mangent de l'orge, mais le blé c'est mieux. Et puis il y a un gluten dans le blé et dans l'orge pour les cœliaques, les gens qui ont cœliaques, qui ont certaines inflammations au niveau du type digestif, même les autistes. D'ailleurs, s'ils veulent arrêter donc le gluten, ils n'ont qu'à couper, donc ils n'ont qu'à arrêter le blé et l'orge, et puis ils peuvent consommer le riz, le maïs et même l'avoine. Mais il y a une petite nuance parce que normalement, c'est pas l'avoine, il n'a pas de gliadine. C'est la gliadine qui fait, qui pose des problèmes pour les cœliaques. Et le blé et l'orge, le gluten, il y a la gliadine, mais l'avoine, il y a la vinine. Et l'avinine, il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas d'intolérance pour l'avinine. Mais on craint que l'avoine soit mélangée ou contaminée par des grains de blé. C'est pourquoi on arrête même l'avoine d'ailleurs pour les cœliaques. Sinon, l'avoine, il y a l'avinine, il n'y a pas la gliadine. Et c'est quelque chose d'ailleurs à reparler, c'est quelque chose donc qu'il faut discuter. Il y a l'avinantramide, c'est un anti-inflammatoire qui existe dans l'avoine. Et c'est pour que les gens actuellement, ils ont commencé à manger de l'avoine beaucoup plus que le blé. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de gliadine. Et puis, il y a la l'avinantramide et il y a les phytoestrogènes. Il y a les phytoestrogènes et les fibres qui sont beaucoup plus élevées dans le cas de l'avoine que dans le cas donc, du blé. Donc, il est mieux que le blé, il est beaucoup mieux que le blé, l'avoine. Mais l'orge est mieux que le tout. Pourquoi? Parce que l'orge est plus riche en phosphore, calcium et minéraux. Il est plus minéralisé. L'orge est plus minéralisé que le blé et le maïs. Mais attention, il ne faut pas oublier le maïs. Pourquoi? Parce qu'il y a des protéines qui jouent le facteur de croissance pour l'enfant. La nutrition de l'enfant, il doit contenir du maïs. Et actuellement, les gens qui ont des problèmes du type digestif, pas uniquement cœliaque, mais d'autres maladies, le maïs, il compte beaucoup mieux que le blé. Et puis, à un certain moment, surtout donc en Europe et en Amérique, on a supprimé l'orge et le maïs. Et on n'a laissé que le blé, on a laissé que la farine blanche. Et on a abrégé un peu, on a retranché donc ces deux composantes, le blé et l'orge et le maïs, malheureusement, qu'on a donné à l'animal parce qu'on a dit que c'est l'alimentation animale, alors que c'était faux, c'était la grosse bêtise d'ailleurs scientifique qui a été faite. L'orge et le maïs, actuellement, ils comptent beaucoup mieux que le blé. Et puis, on ne sait pas quand même montrer à l'homme comment il doit vivre. L'homme, il sait vivre. Il a déjà vécu des siècles et des siècles. Pourquoi on vient maintenant dire que l'orge et le maïs, c'est l'alimentation animale? Ce n'est pas l'alimentation animale, c'est la bonne nutrition humaine. C'est la bonne alimentation humaine, l'orge et le maïs. Et d'ailleurs, les pays du Maghreb, avant, on avait une région au Maroc, la région de Dadis, Tinrir, entre le Qalat Mgouna, c'est l'Atlas, c'est l'arrière-Atlas. C'est une région qui ne connaissait pas le blé, ne savait pas ce que c'est que ça. Mais c'est une région où on consommait plus que l'orge. Et c'est une région où il n'y avait pas de problème, ni cancer, ni vieillissement, ni rien du tout, ni chamboulage hormonal chez la femme, ni rien. C'est une région qui a vécu sans maladie, malheureusement. Alors, actuellement, on est en train d'apprendre des mauvaises choses sous prétexte que c'est la science ou qu'on est un peu civilisé, on est développé. Non, pas du tout. On est en train de... actuellement, nous sommes développés dans tout sauf l'alimentation et la nutrition. Hein. Le développement actuellement, il touche tous les domaines sauf l'alimentation et la nutrition qui est encore sous-développée, qui est encore arriérée par rapport donc aux autres sciences. À part donc le gluten, du blé et de l'orge pour les cœliaques, pour certaines maladies, sinon les céréales, c'est la bonne nutrition, c'est la bonne alimentation de l'homme parce qu'il y a une teneur modérée des protéines, 10 à 12% pour ne pas faire l'obésité et c'est suffisant. Et surtout les enfants, il faut quand même que la nutrition soit variée, hein, il faut qu'ils mangent un peu d'orge et de maïs parce que c'est très important. Il y a des éléments qui se trouvent dans le maïs comme les xanthines, comme la zéine, hein, c'est une protéine qui n'existe pas dans le blé. Et puis, le gluten, actuellement, les enfants ne peuvent plus. Le blé, c'est une molécule robuste, c'est une molécule très, très robuste, très dure à digérer. Et puis, il va générer des opioïdes au niveau du gros intestin. Il va libérer des opioïdes et les opioïdes, donc, ça gêne le système nerveux. C'est pourquoi on regarde chez l'enfant, par exemple, il y a l'hyperactivité chez l'enfant. Il est gêné, le système nerveux est gêné et l'enfant il n'est pas à l'aise. Et ce groupe des céréales, le riz, l'avoine, l'orge, le maïs, le blé, hein, les deux variétés de blé, blé tendre, blé dur, donc ça, c'est l'alimentation de base. Hein, c'est les graines, l'hab, en arabe on dit l'hab. C'est l'alimentation de base et c'est l'alimentation d'ailleurs saine. Il n'y a rien, ni cholestérol, ni gras saturé, il n'y a rien qui puisse donc nuire donc, à la santé de l'homme. Et malheureusement, on en mange moins ou on enlève certains éléments comme le sang de blé d'ailleurs qu'on jette. Ou on n'en connaît même pas, il y a des gens qui ne mangent pas. Le maïs actuellement, surtout en Amérique, en Europe, il est
consommé sous forme de pop-corn. Donc, ce n'est pas la bonne forme donc, pour consommer le maïs. Le maïs, la farine de maïs et la semoule de maïs étaient consommées d'ailleurs même beaucoup dans certaines saisons au Maroc, par exemple, c'était le mois 9 et le 10. Les Marocains, ils consommaient dans les campagnes, les provinces, donc ils consommaient plus de maïs que de blé. Et puis le mois 5, au Maroc, le mois 5, c'était connu chez les paysans, ils ne consommaient que de l'orge, en attendant le blé, bien sûr, en attendant la maturation du blé, la saison du blé. Parce que l'orge, il apparaît en première récolte, et puis consommer de l'orge jusqu'au mois 6, là, lorsqu'il y a le dépiquage, hein, lorsqu'il récolte donc le blé, pour manger le blé, et puis on récoltait hein, le maïs bourre, le maïs qu'on n'irriguait pas, c'était le maïs autochtone, naturel, on en a encore. On récoltait ça le mois 9, hein, mois 9, et puis on consommait donc ce maïs le mois 9 et le mois 10. C'était trop consommé, et surtout l'hiver. L'hiver, on consommait beaucoup plus de maïs. Malheureusement, donc, ces coutumes et ces habitudes alimentaires, ils ont commencé à disparaître. Et malheureusement, vous voyez, c'est les diabétiques actuellement, la farine blanche. Oui, la farine blanche est mauvaise aux diabétiques. Pourquoi ? Parce qu'il faut un apport de fibres. Les diabétiques, il leur faut les fibres. Et lorsqu'on enlève le sang de blé, la farine ne convient pas. Donc, mais l'orge convient pour les diabétiques. Le maïs aussi, le maïs, il y a du glucose. Attention, le maïs, il y a beaucoup plus de sucreries. Mais l'avoine et l'orge, le riz, il convient bien pour les cancéreux, pour les diabétiques, pour les hypertendus, pour les cardiaques et tout ça, hein, si c'est la bonne alimentation. Ce facteur de GTF, qui s'appelle comme ça GTF, c'est le chrome, qui est actuellement vendu sous forme de complément alimentaire. Il existe dans les céréales, bon, mais il faut varier ces céréales et il faut faire une bonne fermentation. C'est la fermentation acide, lactique. Et puis mélanger les céréales avec certains laits fermentés hein, pour un apport de bactéries lactiques qui sont douées de phytase. Et certaines lectines, il y a des gens qui tolèrent mal le blé, pas à cause du gluten, mais comme ça. Il y a des gens, actuellement, on a commencé à remarquer, pas le céliac, une autre forme d'intolérance, il y a des gens qui tolèrent mal le blé, ils ont des malaises et des trucs. Là, il y a les céréales, j'ai dit que c'est un groupe, on peut bien remplacer le blé, sauf que il y a des grains qui ne sont pas pétrissables, hein, on ne peut pas faire du pain de riz ou le pain d'avoine ou de maïs, malheureusement, bon, il y a des grains qui sont pétrissables comme le blé et l'orge, et disons, on peut les manger, mais tout simplement pas sous forme de pain, soit sous forme de semoule, soit sous forme de couscous, de préparation, etc., hein, mélanger avec un lait fermenté et tout, et puis manger avec une cuillère. Donc on peut trouver la solution. Il n'y a pas que ça. Si on ne mange pas le pain, ça veut dire qu'on ne va pas consommer des céréales. On peut les consommer sous d'autres formes. Au Maroc, on avait beaucoup de formes. On avait ce qu'on appelle en langue, en jargon de la région, en amazir surtout, c'est le berkouch. On avait l'herbel, on avait ftil tchataba, on avait ferfissa, etc. On avait beaucoup de formes qui étaient de céréales et de bons céréales. C'était le blé dur. Le blé dur et l'orge. Askif, c'est une soupe donc, d'orge et l'orge avec l'huile d'olive et on mettait un peu d'huile d'argan dans certaines régions et malheureusement et c'était le lait de chèvre d'ailleurs, c'était le lait de chèvre qui est utilisé donc c'était le lait de chèvre plus l'orge. Mais on est en train de perdre, on est en train d'oublier, enfin de négliger donc ces coutumes alimentaires qui sont bonnes et qui étaient bien fondées parce que l'homme il savait vivre, il a toujours su vivre. Mais malheureusement on est en train de les perdre, donc il faut qu'ils restent dans notre patrimoine, si je dis, dans notre patrimoine culturel, il faut que ça reste et il faut qu'on ait une description précise. D'ailleurs, on a fait de la recherche, donc tous les produits marocains, c'est actuellement, il y a des thèses et des travaux de mémoire qui sont faits, des masters et des doctorats, qui sont faits sur tous les produits marocains, y compris les produits laitiers et les produits donc carnés, comme le khli', comme le qaddib, seiko, comme le jbel, le klila et tout ça, ça a fait donc l'objet de recherche. Et on ne parle pas comme ça dans l'air, mais on parle d'ailleurs d'un cumul de 30 ans de recherche, de 30 années de recherche donc, sur ces produits. Donc, on a beaucoup d'informations qu'il faut simplifier et qu'il faut faire passer donc, aux consommateurs pour mieux faire et pour ne pas donc, perdre cette culture d'ailleurs, parce que les composants alimentaires ils sont là, mais c'est surtout la culture. Donc, il ne faut pas que les gens perdent cette culture-là que nous avons et qui est très riche au Maroc. C'est un patrimoine d'ailleurs. Moi, j'en suis fier. Bon, à une autre fois. Au revoir.